sédentaire. Cette pincée de sol, cadeau rudimentaire, va forcer à jamais leur esprit à se taire. Mais comment peut-on aimer les voyages quand on n'aime pas les voyageurs? À croire que dans le paysage on trace des routes pour passer l'heure. Plantés dans le cerveau, leur drapeau, leur bannière, depuis l'heure du berceau, ne laisse plus passer l'air. Privés de toute science et de toute manière, ces bons chiens de faïence voient le monde de travers. Quand on n'aime pas les voyageurs, à croire que dans le paysage on trace des routes pour passer l'heure. Mais comment peut-on aimer les voyages quand on n'aime pas les voyageurs? À croire que dans le paysage on trace des routes pour passer l'heure. S'ils viennent du terroir, ils traitent en capitale les Parisiens notoires de cynocéphales. S'ils viennent de la ville en haut d'un piédestal, ils tiennent pour imbéciles le tout venant rural. Moi qui suis le témoin de ces mœurs ordurières, qui est porté loin mon âme aventurière, je voudrais tant ôter leur drapeau, leur bannière, pour mieux les replanter au fond de l'air derrière. Mais comment peut-on aimer les voyages quand on n'aime pas les voyageurs? À croire que dans le paysage on trace des routes pour passer l'heure. Mais comment peut-on aimer les voyages quand on n'aime pas les voyageurs? À croire que dans le paysage on trace des routes pour passer l'heure.